se débattent pour avoir un homme, se débattent pour être avec quelqu'un, se débattent pour se faire épouser, se débattent, n'est-ce pas, pour commencer un business, se débattent pour faire des affaires. On se débat tellement, on est frustré. Finalement, on commence à se dire, peut-être que ma place n'est pas dans cette église. Parce que, écoute-moi très bien, il n'y a pas poisson, ça est dans l'eau. Tu m'entends? Poisson, ça est où? Dans l'eau. Tu peux dire, un pêcheur peut dire, peut-être ma place n'est pas sur cette eau. Tu as trouvé les poissons là où? Dans la brousse? Non. Dans la brousse, c'est animaux quadrupèdes. Dans l'eau, c'est poissons. Si tu es chrétien, ta solution n'est pas en dehors de la présence de Dieu. Ne dis pas, non, je ne comprends pas, c'est que peut-être ma vie, ma place n'est pas dans cette église. Change d'approche. C'est une question de la mind. The way to see things. La manière de voir les choses. Écoute, change de lunettes. Tu comprends? Change de façon de regarder. Regarde la vie chrétienne autrement. Tu te débats trop. Et puis je te dis qu'en fait, c'est pour rien. Parce que tout de suite, là, tu vas te rendre compte que pour trois fois moins d'efforts, les gens vont rentrer dans une provision qu'on peut appeler une provision extraordinaire. Est-ce qu'ils avaient changé d'église? Non. C'est sûr, même eau, même l'eau, comme quelqu'un qui ne parle pas bien français, c'est même l'eau là, c'est sûr, même l'eau là, c'est dans la même bac là où ils avaient échoué, c'est là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont changé d'approche. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur?